Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement ne vous a pas trop perturbé. Pas évident, à ces moments difficiles de pouvoir travailler, refaire du karaté. C'est vrai que ça a été mis en sourdine, cette histoire-là. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut, laisser tout ça tomber. Au contraire, il faut se remettre en selle. Et puis, moi, je vous propose une petite série de techniques. D'abord, ce premier cours que je vous propose, je le fais pour les enfants. Je le fais pour les enfants dans un premier temps, et puis pour les grands, donc la semaine prochaine, je vous ferai parvenir donc les documents aussi, pour travailler confiné, puisque nous sommes confinés. Donc j'ai choisi cet endroit-là, parce que c'est étroit, c'est confiné aussi, mais c'est pas pour autant que, voilà, on ne puisse pas travailler. Si on le fait un peu intelligemment, on peut sur place s'employer techniquement, je veux dire, et sans tout casser. Je dis bien sans tout casser. Voilà, donc je vais vous proposer une petite série de techniques à faire sur place ou sur un pas, mais simplement pour les enfants. Hein. Les ados, si vous voulez en profiter, vous pouvez aussi. D'accord? Mais avec une bonne recommandation pour tous les enfants, ne cassez rien, sinon papa et maman, ça ne le fera pas. Hein. Ok? Allez, on y va. Bien, vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc, on va commencer chronologiquement par la première technique. On le sait tous, donc c'est le tsuki, c'est le coup de poing de face. Voilà. Donc, dans les petits rappels cognitifs de ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire, hein, voilà, on va le résumer très synthétiquement. Voilà. Sur le tsuki, on sait toujours que c'est facial et que ça part droit. Le plus droit possible. Le plus droit possible. Ok? Non, directement. Ok? On va s'évertuer à partir ici directement. C'est-à-dire, droit. Ok? Droit. Ok? Droit. Ok? Et là, je vais éviter de lever pour baisser. Lever pour baisser. Ok? Lever pour baisser. Ok? Ou, etc. Téléphoner, partir. Téléphoner, partir. Ok. Ou sortir le coude pour rattraper. Sortir le coude pour rattraper. Sur lequel je suis plus dans l'axe. Etc. Etc. Donc, pour se remémorer ça, on part directement. 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 Une fois que vous avez fait une série de 10, et donc, vous y allez un petit peu plus fort, mais directement. Et donc, directement. Et donc, mais directement. Et une fois que vous êtes bien un jambe et un bras, donc fort, donc directement, et là qui est direct au dernier. Ok? Allez, on va commencer par ça. Premier blocage. Premier blocage, allez, ok. Ok? Donc, ici dans le jour, le blanc, le dernier, il tire. Ok? Alors, attention, ce qu'on voit souvent, et c'est souvent répété d'ailleurs, et Jodan allez, ok, c'est plus. Comme ceci, ok, comme ceci, comme ceci. Alors, ça veut dire que si je prends le coup de poing facial, le bras ne bloque pas. Il est plutôt dans le mawashitsuki, c'est-à-dire le mawashitsuki, c'est un poing circulaire en attaque. Alors qu'à Gyoke, il va de bas en haut, il va de bas en haut, de bas en haut, ok. Et donc, je vous propose de venir ici. Quand vous télescopez le bras qui est devant vous, au dernier moment, vous le chassez. Vous ouvrez celui-ci, vous allez devant, une fois qu'il y a le contact, donc vous vous permettez de le bloquer. Ok? Donc, ici, c'est pareil, donc, c'est pareil, donc, et c'est pareil. Ok, les enfants? Donc, vous faites plusieurs séries comme ça, mais évertuez-vous à bloquer comme si vous étiez véritablement attaqué au visage. Évitez aussi de bloquer trop bas, trop bas, trop bas. Par rapport à la technique, vouloir la faire un petit peu trop forte ou de façon explosive, souvent vous arrêtez un peu à mi-chemin. Donc ici, je m'arrête, non, je m'arrête et pas. Mawashi, tsuki. Ok? Allez, on y va. Allez, très bien. Donc, on a fait tsuki, on a fait rien. Maintenant, on fait le soto. Et donc, ici, je bloque de l'extérieur à l'intérieur. Rappelons-nous, soto, ça veut dire latéral, extérieur. Ok, c'est blocage. Je vais chercher ici, donc je bloque ici, de manière à ce que ça, sur le plan, sur le facial, pardon, sur le côté, ça passe bien. Ok, là, le bras, il n'arrive pas là. Ce qu'on voit souvent dans les soto, ok, zenkotsu, c'est ici. Ah, évertuez-vous, arrivez juste sur le côté. Ok, on reprend ici, et donc, coup de rein à la fin.
Ici, je reprends. Donc, ok, ça s'appelle donc Soto-ok. Je prépare, c'est idem, je vais jeter le poing sur celui qui le vend, et au dernier moment, donc je le sertis, je le chasse. Ok, c'est pareil ici. Je vais, clac, arriver là, et au dernier moment, celui-ci va se rétracter pour ne pas prendre le bras, et donc je vais donner donc de la vitesse. C'est pareil, j'arrive ici, dernier moment, je le chasse. Ok, idem, dans l'angle, je le chasse. En aucun cas, j'arrive ici. Évidemment, lui, il va fuir, il va s'évertuer, ah, revenir, et donc une rapidement pour entraîner l'autre. C'est ok. Et donc je fais donc soto ok. Je prépare donc soto ok. Pas là, pas là, là. Le dernier donc c'est là. Et là, tsuki patient. Ok. Allez, quelques petites séries. Allez, c'est parti. Donc on a fait tsuki. On a fait le hockey, on a fait ce hockey. Et maintenant, donc, je prends le suivant. Donc, le uchi ude hockey. Uchi uke. Uchi veut dire intérieur. Ude veut dire coude. Et uke veut dire blocage. Donc, je bloque au dernier moment ici. Donc, je bloque au dernier moment. Okay. Donc, ça veut dire que ici, je vais croiser au dernier moment. Je vais sortir le bras qui est devant. Ici, je le tends, je le sors. Ok, je vais devant, je le sors. C'est idem, ok, que pour surtout, ok, je vais le dégager, ok. Et je ne m'arrête pas ici, car ah, c'est trop loin, et je risque un compte, ça ne vaut pas le coup. Et je vais pas de là, parce que là, je ne bloque pas, mais juste le passage du corps. Le passage du corps. Ça me suffira, ok, l'outil, ok. Et je vrille donc, à l'intérieur. L'intérieur, il y a le vrillé. Okay, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, bras tendu, donc, je vais ici. Dans le bras, lui, donc, il va se rétracter, donc, il le chasse. S'il est, donc, ok, je vais chercher, donc, je vais chercher le dernier, il y a un, et ce qui. Ok, les enfants, ça va? Allez, faites des séries. C'est bon? On continue? Bon, on a vu Tsuki, Hage, Soto, Uchi. Maintenant, on va voir donc Shuto-ok. Vous le connaissez, toutes ces techniques. Hein? Ce qu'on appelle les rappels cognitifs de ce qu'il faut faire, refaire et revoir et corriger, etc. Hein? Okay? Voilà. Donc, Shuto-ok, rappelons-nous, le bras opposé qui prépare le quitté ici. Et donc, il est tendu et l'autre, il est dans le prolongement, la main dans le prolongement d'avant-bras. Partant presque du coup, bout de l'épaule ici. Et donc, un va chasser l'autre. Et donc, c'est idem. Il n'est pas plus haut que l'épaule, il n'est pas plus haut que l'épaule. Et, donc, et je vais le sortir au dernier moment. Au dernier moment, donc, je vrille. Je vrille. Je vrille. Une fois que j'ai vrillé à la fin, le coude ici, le coude et le flanc sont complètement bloqués. Le grand dorsal, le muscle qui est derrière, est complètement contracté pour verrouiller l'échelle scapulo-humérale. Ça, je répète, c'est pas plus haut que l'épaule. C'est le tranchant de la main qui bloquera. Ce n'est pas ça. Ça, c'est Aishu. Okay. Ça, c'est autre chose. Hein? Non, c'est le tranchant de la main, le chuto. Ok? Ensuite, donc, méfiez-vous d'aller trop bas pour remonter. Ok, des techniques un petit peu hasardeuses pour arriver, souvent comme ceci. Arriver comme ça, c'est une autre technique. Le shuto-ok, on va dire, il bloque dans un premier temps, et ensuite il peut couper. Ok, je bloque une attaque, et donc je coupe ensuite. Ok, ou en même temps, un, je bloque et je bloque. D'accord les enfants? Non, c'est synchro, c'est idem. Préparation. Tendu. Lui, il fait office de équité. Il revient ici. Ou alors, il bloque devant, ou il bloque, il saisit, et il coupe ensuite. Ouais. Et donc, ici, je bloque. Je bloquerai donc sur ce plan-là, avec le tranchant de la main. Et au dernier moment, je verrouille mon grand droit, les abdos, scapulo, grande dorsale, et toute l'échelle brachiale. Et donc, là, je m'arrête bien sur ce plan-là. Ça, ça vaut pas. Ça va pas, ça je bloque trop, je m'expose. Mais je m'arrête ici, juste sur ce plan-là, parce que ça me suffira. Ok, donc ici je suis bloqué, je m'arrêterai là. Ok les enfants, ça vous va ça? Allez, on y va.
continue. Allez, on va faire le dernier. Le dernier, c'est Gallenbarré. Vous connaissez tous le monde. Non, je bloque. Je bloque un coup de pied en bas. Gélan signifie en bas. Jodan, Choudan, Gélan. Gélan veut dire je bloque sur la partie basse. Bon, ce sera souvent un coup de pied ou éventuellement un coup de poing. Si vous donnez en bas, ce sera toujours Gélan, c'est vers le bas. Baraï, c'est-à-dire balayer vers le bas. Okay? Donc, je reprends un peu ce thème, le chuteau-hockey. Rappelez-vous, j'avais le bras tendu pour préparer la technique et ensuite je faisais le chuteau à la fin. Là, c'est pareil, le mouvement préparatoire, il est idem et je vais vers le bas aussi. Donc, et je mets légèrement trois quarts, pas facial, trois quarts. J'épouse le corps normalement. D'abord, c'est illogique de faire Gallenbarré comme ça, on ne le fait pas correctement. Et ensuite, ça donne rien en termes d'efficacité. Vous laissez faire le corps, il va se mettre au profil naturellement. Okay? Donc c'est, je reprends, la tendue, lui ici, l'épaule un petit peu plus haut, clac. Ce que je vais éviter de faire, c'est ici, j'articule sur le plan A. Là, regardez, je fais comme un combat pour faire ensuite le Gallenbarré ici. Alors je le reprends comme ceci. C'est très, dans le sens large, le Gallenbarré. C'est très bien visuellement, on peut dire que je vais bloquer vers le bas, mais efficacement ça ne va rien. Cherchez plutôt à presque longer le bras qui est devant pour verrouiller à la paire. Je dis bien presque caresser le bras, comme si je voulais le raboter, et au dernier moment, non, je bloque. Au dernier moment, si je rabote, au dernier moment je bloque. Que si je fais grand large, ici je vais évidemment bloquer vers le bas, mais avec une difficulté, une exposition sur le traumatisme. Et donc, je vais ici. Et je serai donc plus rapide. Et donc, et après, plus rapide. Ok? Donc, c'est pareil que je suis ok. Au dernier moment, je vais vriller. Au dernier moment, je vais vriller. Je vais donc vriller. Je vrille et je vrille. Je vrille et je vrille et j'attaque. Et j'attaque et j'attaque. Ok? Allez, à vous. C'est bon? On s'est bien remémoré tous ces petits détails qui ont de l'importance, parce qu'on les répète, on les corrige, et on y revient à chaque cours. Souvenez-vous, hein. Souvent, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais à la sortie, si jamais c'est bien analysé, si c'est bien perçu, si c'est bien compris, ça change tout. Alors, complètement tout. Bon, maintenant, on va remettre ça au propre. On va conjuguer dans l'ensemble la première attaque, pour le blocage, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, chaque fois avec une contre-attaque. Mais en visualisant toujours le travail que je vous soumets, okay, et en même temps en mettant de l'émotion dans le travail. C'est-à-dire, vous devez vous décharger émotionnellement à chaque blocage, à chaque attaque. Sinon, on tombe dans la gymnastique. Okay, c'est de l'éducation physique, c'est de la gym, et on peut appeler ça n'importe comment. Donc, ça n'a plus le sens du karaté martial. Le karaté martial, il se doit, à travers une âme, projeter quelque chose. Vous voyez, et une âme là-dedans, je la transpose et je la projette comment cette âme-là. C'est avec l'émotion dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. Et puis bien d'autres ensuite, mais ça, on verra ça plus tard. Ok? Donc, maintenant, on remet ici le tsuki, le tate shitoke, donc tsuki. Donc, lui, il me donne le là, lui. C'est-à-dire le départ, la position. Seconde, donc, un, deux, ok? Deuxième, là, trois, quatre, quatrième, et cinq, et six, cinquième, sept, huit, et dernier, donc, on tient et tient. Ok? On remet ça au propre, avec moi, vous le répétez chaque fois. Je reprends, ici. Premier, direct, non, directement. Second, je bloque, donc, j'attaque, je prépare, je bloque, j'attaque. Je prépare, je bloque, j'attaque. Je prépare, je bloque, j'attaque. Je prépare, je bloque, tiaï, tiaï. Ok? Allez, on fait ça? Ousse. Voilà pour ce premier cours. On verra ça plus tard. On augmentera les possibilités, les difficultés, les déplacements sur place dans le confinement. Mais dans un premier temps, vérifiez et répétez, révisez et revenez-y patiemment. Et recommencer, c'est le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Voilà, ça c'est le principe qu'il y a dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'une technique est apprise en 2 secondes, mais il faut toute une vie pour la travailler. Je dis bien, les enfants, toute une vie. Rappelez-vous-en, ça, c'est le plus important. Hein.
Allez, os. Allez, à la prochaine fois. Et vous me manquez.